Hello mes chéris, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons faire parler d'une astuce beauté. Et comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler des vertus et des bienfaits des feuilles de manguier. Voilà. Le manguier est une plante assez populaire qui est appréciée surtout à cause de ses fruits, les mangues, hein, qui sont délicieuses avec un goût moelleux, juteux et sucré. Voilà. Quand elles sont mûres et vertes, quand elles ne le sont pas. Voilà. Peu sont les personnes qui sont informées, voilà, sur les vertus et les bienfaits apportés par les feuilles de manguier. Les feuilles de manguier sont riches en vitamines A, B, D et E. Voilà. Elles sont antioxydantes et sont riches en phénols et en minéraux. Et elles sont de couleur verte. Les feuilles de manguier peuvent aider à traiter plusieurs maladies de façon naturelle, mais il faudrait faire tout de même attention au mode d'utilisation et au dosage. Voilà. Elles peuvent être consommées sous plusieurs formes. Vous avez la forme des feuilles, les feuilles vertes, voilà, qui sont de façon infusée. Et vous avez aussi la possibilité de sécher ces feuilles-là et puis les écraser pour obtenir une poudre, voilà, ou tout simplement vous utilisez les feuilles fraîches, voilà, etc. Les feuilles de manguier peuvent aider à soigner tout ce qui est dysenterie, qui est pratiquement une maladie, qui est une inflammation du côlon, voilà, c'est assez douloureux. Elles peuvent aussi aider à diminuer la pression artérielle, voilà. Elles peuvent aussi aider à calmer les douleurs de brûlure, voilà. Les feuilles de manguier peuvent aussi aider à calmer tout ce qui est diarrhée et mais aussi aider à soigner le rhume. Elles peuvent aussi aider à réguler tout ce qui est problème de parasites intestinaux, voilà, qui sont les ténias qui le plus souvent peuvent déranger. Elles vont aussi venir aider à soigner tout ce qui est problème de plaies, voilà, en accélérant le processus de guérison, hein, des plaies en fonction de votre type de peau. Voilà, ça dépend du cas par cas, donc il faut faire très attention sur ce niveau-là. Elles sont quand même une astuce assez intéressante, voilà. Les feuilles de manguier vont venir aussi aider à soulager, à soigner, on va dire comme ça, tout ce qui est irritation génitale. Et si vous faites bouillir les feuilles de manguier que vous recueillez, voilà, l'eau que vous allez recueillir, vous pouvez l'utiliser pour faire votre toilette, voilà. Et ça va beaucoup vous aider au niveau intime, voilà. Vous faites un bain intime, vous allez voir que ça va beaucoup vous aider. Je tenais aussi à vous dire qu'en cas de pathologie assez grave, vous devez d'abord consulter votre médecin de base avant de commencer par utiliser les feuilles de manguier pour ensemble avec votre médecin établir des doses adaptées à votre type de pathologie. Voilà, donc il faudrait demander conseil à votre médecin. Et je tenais aussi à préciser qu'en cas d'allergie pendant l'utilisation de ces feuilles-là de manguier, de façon interne ou externe, vous devez arrêter immédiatement l'utilisation des feuilles de manguier. Voilà. Et si vous voulez commencer par l'utiliser, vous devez commencer par deux petites doses. Et pendant ce temps-là, vous allez observer attentivement votre organisme, votre corps. Et ainsi, vous allez voir si vous n'avez pas de problème d'allergie à ce niveau-là. Là, vous pouvez commencer par continuer dans l'utilisation des feuilles de manguier. Voilà. Mais ce que vous devez savoir, c'est que l'excès en toute chose nuit. Donc, faites attention. Quand vous avez ces astuces-là, allez-y mollo mollo et essayez d'adapter cela à votre corps. Si ça ne va pas, vous laissez automatiquement. Voilà. Parce que ces éléments-là sont assez naturels, mais ils peuvent aussi virer au vinaigre. Donc voilà mes chéris, cette petite astuce que j'ai voulu partager avec vous. Si vous êtes une personne qui utilisait déjà les feuilles de manguier dans plusieurs concoctions, n'hésitez surtout pas à nous laisser vos commentaires par rapport à vos expériences pour aider ces personnes-là qui veulent se lancer, voilà, à utiliser tout ce qui est feuilles de manguier. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Likez-la, partagez-la sur vos réseaux sociaux, à vos amis, à vos connaissances. Et si vous êtes passé aussi pour la toute première fois sur cette vidéo et que vous m'avez vu pour la toute première fois, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne perdre aucune de mes vidéos. Abonnez-vous aussi à mes réseaux sociaux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et bonne journée.